Donc, les totems servent à créer un village. Second totem, pouvoir y fonder un village. Tour du second totem. Ah oui, là. C'est fait. Maintenant, il faut leur faire un chemin. Il me faut de la terre. Ah, ça, c'est un pouvoir, je crois. J'ai aspiré l'eau, il n'y a plus d'eau là. Par contre, il me faut de la terre. Là, il prend vraiment que du sable, genre la caillasse, il n'en veut pas. Un chemin. Donc là, il y a un chemin. Et là, il y a un chemin pour ce machin. On va avoir une vue globale à pied sur table. Ok. Toc. Voilà, comme ça il se dirige vers mon nouveau totem. Village, il plante de la végétation qui s'étend sur la terre. La jauge en bas à gauche représente, et merde, la moitié du territoire est recouverte de palmiers. Un conte est révélé à la tribu. Continuez à étendre les palmiers pour y attirer, pour attirer les animaux. Voilà, acheter de la terre près des palmiers pour les protéger des animaux apparaîtront et des contes de la mémoire tribale seront révélés. Près des palmiers pour les protéger. Des animaux apparaîtront et des contes. Ouais, ok. D'accord, donc là ils ont fait. Je pense qu'ils voudraient de la terre jusque-là, là peut-être, jusqu'aux décorations. Alors qu'est-ce qu'ils racontent les collègues? Maintenant que chaque totem est repeuplé, le passage est ouvert, les hommes sont prêts à franchir. Espace pour appeler les hommes. Ouais, mais par contre, je voudrais récupérer ça là. Maintenant, vas-y.
Nouveau compte de la mémoire géologie. Voilà, mais compte de la mémoire géologie. Et là, on va apprendre des trucs. Je débloque des trucs qui seront dans le menu principal. Enfin, c'est de la géologie, c'est la passion d'Eric Chahi. Comme je disais au début du live, il avait quitté le monde de la programmation de jeux vidéo pour se taper un délire dans les volcans, quoi, et voyager, découvrir les volcans. Il est passionné de géologie et ça a donné ce jeu. Bon ben voilà, il m'avait dit tab pour une vision globale, ah oui. Et donc sur cette carte, ben j'ai tout fait. Il y avait deux totems, un compte de géologie à débloquer ici. Et ça c'est quoi ça? Parce qu'on peut pas tourner la caméra. Je la déplace comme ça. Est-ce qu'il y a... Ouais, si j'arrive à remplir la jauge là, voilà, je débloquerai un autre compte de géologie. Ok. La BSM. C'est quoi BSM? Alors, c'est quoi BSM? Ah bah. C'est le bouton milieu de la souris. C'est ça, là, je me demande si la lumière, c'est juste pour une source, créer une rivière qui ravive la terre. Une grande quantité de terre peut la boucher. L'eau apporte avec elle des quantités de boue qui se déposent plus bas. Voilà, donc j'ai la moitié de ma barre verte remplie. Si je la remplis entièrement, j'aurais débloqué le... Le deuxième compte de cette carte. Donc ce serait intéressant, il faudrait genre arriver à boucher ça peut-être déjà. Toc. Et là oui, voilà, c'est ça, là on voit que ça se remplit. Maintenant ça devient vert. Parfait. Migrateurs ont trouvé l'endroit assez accueillant pour s'y arrêter. Continuez à étendre les palmiers pour découvrir de nouveaux comptes et débloquer de nouveaux défis. Il m'avait dit F. C'est moche comme créature, moi j'ai pas confiance. Créature qui attaque mes gens, ça. Quoi ça, ouais, j'ai des potes qui se baladent tranquille. Bon, je suis bientôt à fond, la jauge verte se remplit. Voilà, et recouvert de palmiers, vous avez découvert un nouveau compte. Bon bah là j'ai tout fait. Il y avait juste remplir la map, prendre deux totems et le petit souvenir là tranquille. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les emmener là, donc il faut... Chut. Faire un chemin là et on est bon. Salut Val. Voilà. Hop, et là il se dirige vers la sortie. Ah, sympa, ouais, pour le lurk, merci. Un petit string en mode fatigué, peinard pour finir la journée, là, qui était bien rempli. Thank you.
La bonne app. La peluche. Voilà. Kami memba wa kami. Lakini namu dunkum ya berkuta. Ge mamaji masi bergatar duniani. Donc comme ils m'ont dit, j'ai débloqué aussi une carte de défi. Parce que ça c'est la campagne principale, mais il y a aussi des cartes de défi. Alors il y a deux totems des anciens dans cette vallée, nous devons tous les repeupler. Afin de voir le passage, espace sur le premier totem pour appeler des hommes. Voilà. D'ailleurs, dans les cartes de défi, c'est un peu plus dur. T'as un temps limité. Il y a des catastrophes géologiques, quoi. Certainement des volcans, de l'eau qui peut leur tomber dessus. Et... Là, de toute façon, je suis au début, donc c'est tranquille. Mais après, après, ça évolue, quoi. C'est une espèce de puzzle après avec la nature, quoi. C'est un puzzle game finalement. Un peu petit côté Lemmings, quoi. Gérer sa petite tribu. Ah bah, nous croyons cette vallée tranquille, mais le chaman a écouté le ressac et a senti le danger d'un tsunami. Alors attendez, j'ai une notification. Ouais, d'accord. Ouais. C'est Val qui se tape un gros délire avec ma tronche. Alors. Donc voilà, là j'ai un chrono. Déjà, ça se corse. Nous devons rapporter le savoir repousser l'eau du village. Repousser l'eau. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est classe après, ça fait des beaux effets graphiques. Le savoir repousser l'eau. Les savoirs, en gros, c'est les pouvoirs. Appuyez sur espace sur la terre de savoir. Sur la pierre de savoir. Vous pouvez envoyer un homme. Voilà, c'est ça. Voilà, donc faut que je chope ça. C'est le pouvoir qui va me permettre de bloquer l'eau. Comme ça, quand il y a un tsunami qui arrive, ils vont faire une sphère magique et... en priant de totem et ça va bloquer l'eau. Yes, bon appétit. Alors, donc il me faut du sable. Déjà, parce qu'il leur faut un chemin pour aller chercher. Et j'ai 3 minutes pour y arriver. Ok, ensuite lui il est là donc il faut boucher là. Là il y a du sable à perte de vue. Ok. J'essaie de réfléchir où je prends le sable parce qu'après je me dis qu'il y a peut-être des chemins qui vont me servir et tout donc je le prends pas n'importe où. Mais bon pour l'instant c'est facile donc forcément. Voilà. Là. Et là ça va mieux. Donc on peut déjà préparer le chemin pour le deuxième totem. Ah mais il y a un truc dans l'eau là. D'accord, bon, ben, il doit y avoir un pouvoir ou un truc là avec ça. Le deuxième totem, oui, il est là. Alors, il faut boucher ça. Salut, je suis Rel. Et bienvenue. Pas t'inquiéter, c'est très calme ce soir parce que je suis fatigué, donc je joue un peu à ce jeu tranquillement, mais
Si tu repasses d'autres fois, tu verras que je peux faire le con aussi, crier et recevoir des collègues aussi pour jouer, pour faire les débiles ou jouer à des jeux beaucoup plus violents comme des jeux de combat. Là, ce soir, c'est tranquille. Et aussi, je passe des films, des trucs comme ça. Pas mal de films à diffuser sur ma chaîne. Et j'ai aussi prévu bien très bientôt de passer la nouvelle série Batman, le nouveau dessin animé là. Il y a eu 10 épisodes. Bon alors, du coup, ils ont eu le pouvoir parce que là, ça arrive là. Putain. Là, je l'ai le pouvoir là. Ah bah c'est cool. Bon bah on va voir si le pouvoir est actif. Parce que là j'ai pris le pouvoir qui protège de l'eau. Normalement il devrait faire une cesse de bouclier pour les protéger du tsunami. Oui, on voit le symbole là, voilà. Alors j'espère que le son est pas trop pourri, parce que j'apprends à le régler. Donc je sais pas comment ça ressort, je verrai pendant la rediff. En tout cas, ça a marché. Je suis protégé du tsunami. Et ouais, ça fait plaisir de lancer ce jeu parce que je l'ai pris sur PC il n'y a pas longtemps. Et à l'époque, j'étais là Day One, c'est quand il était sorti sur Play 3. Je l'avais pas fini, je crois. Mais ça fait plaisir, il est cool. Enfin, au début, c'est tranquille, après, ça va sûrement s'acharner. Hein. Mais là, pour l'instant, ça reste assez cool pour jouer en mode peinard. Le village est sauvé pour le moment. Profitons du répit que nous offre la mer pour repeupler le deuxième totem. Ouais, j'aimerais bien, mais bon, les icônes situées en haut à gauche de l'écran des villages vont posséder en blanc un totem que West en gris. Ouais, ça, y a pas de souci. Ah oui, voilà, le tsunami est fini. Et donc, le tsunami, il a détruit le chemin que j'avais fait, d'accord. Donc, il re-répartit un peu la nature, il faut se réadapter, quoi. Enfin, la géologie, quoi. Je sais pas comment on dit, mais il a retapé le décor, quoi. Allez, allez, du sable. Faut faire vite, là, j'ai 6 minutes jusqu'au prochain tsunami. Tac, tac, tac. Parce que le village, le totem est là-bas. Hop. C'est juste, mais ça passe peut-être là. Ah bah il passe là. Attends. Non, il passe là. Ouais, ça passe pas. Voilà, c'est un peu mieux là. Ah, l'eau est puissante, faut peut-être que je la coupe ailleurs, plus haut, je sais pas quoi, mais l'eau fait son travail, quoi. Jouer à des jeux, à quel jeu en général? Oh, bon, je suis très éclectique, franchement, c'est dur de localiser mes goûts, mis à part que j'ai du mal avec les point and click. Et les puzzle games aussi en général, même si ce jeu est quand même très puzzle game. Recouvert de palmiers, ouais, ok. Ça, j'ai compris la règle. Mais non, je suis vraiment éclectique. Bah, il y a quelques rediffs sur ma chaîne Twitch. Sinon, le mieux, c'est ma chaîne YouTube. C'est vraiment, on va dire, ma chaîne principale où il y a le plus de rediffs et de vidéos. Bah, ça te donnera une idée de ce que je joue. Tu verras que c'est très large, quoi. J'aime de tout, moi. Ouais, c'est très large. Pas de genre précis. Ça peut être un D, triple A. Ben voilà, je vais sur Twitch pour des raisons de liberté, parce que je peux mettre des films, de la musique et tout.
Mais YouTube reste quand même ma chaîne principale. Hein, c'est... Il y a plus d'options que j'apprécie. Même l'onglet communauté, je mets des trucs. Donc là, ils sont 5, ils vont faire le village. Ensuite, j'aurai le pouvoir. Voilà, j'ai le pouvoir contrôler le tsunami, c'est bien. Ce qu'il me faut. Enfin, ce qu'il me faut. Il y avait un truc dans l'eau qui m'intriguait, là je croyais, je me suis dit, mais c'est peut-être un truc mystique. C'est ça là. Ah non, mais ça c'est la sortie. Aspirer de la terre au bord du lac pour qu'il se vide. Et que le chemin jusqu'au passage soit libre. Ouais ouais, parce qu'après tu joues avec la nature comme tu peux. Tu peux ouais, prendre directement l'eau ou aspirer la terre pour le faire couler ailleurs. Enfin, il y a plusieurs façons de procéder. Envoyer des hommes jusqu'au passage, d'accord, il y a quand même, pour tout débloquer, il y a le but déjà de remplir la barre verte en bas à gauche, donc pour ça il faut avoir un maximum de nature, de palmiers, donc ça demande de répartir de la terre où il faut, et de laisser le temps de pousser, et un autre objectif, attends c'est tab, non, c'est que des fois il y a des mini totems là, des trucs cachés, il faut envoyer des hommes dessus aussi. Enfin, de cacher. Il y a une lumière blanche quand même pour les indiquer. Il faut envoyer des hommes dessus aussi pour... pour obtenir des trucs, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Là, j'ai plus qu'à faire mon chemin. Enfin, faire mon chemin, mais quand même... J'aimerais bien avoir la barre verte à fond. Et elle est qu'à la moitié, donc il faut bosser. Il faut bosser. Et... Ah, je suis pas sûr de ce que je fais là. De l'eau d'ici, la foutre là. Je sais pas si c'est bon ce que je fais. Parce que ça peut être bien d'enlever l'eau, ou alors des fois le mieux c'est de boucher l'arrivée d'eau. Ouais, ça dépend. Voilà, j'ai l'impression que ça marche quand même. Je retire l'eau qu'il y a dans le... Après sur Yel, tu verras que sur Yel, sur Yel. Ouais, je te disais, si t'apprécies mon style, on va dire, j'ai un serveur où on peut communiquer aussi, voilà. On parle de trucs, y a pas beaucoup de monde, mais on papote. Et ça sert aussi à rejoindre les vocales quand je suis en live, enfin quand j'ai envie qu'il soit ouvert. Et là, par exemple, il est ouvert. Faudrait faire de la terre pour rejoindre. Ah, dans 16 secondes, il y a le tsunami qui va défoncer tout mon travail quand même là. Pourquoi le framerate il a 31 fps? Je l'ai réglé sur 144, j'ai une carte graphique qui défonce ce jeu. Qu'est-ce qui serait malin là? Je sais pas. Déjà je mets la terre là, mais de toute façon le tsunami il arrive, donc là. Ouais, là je vais être obligé de patienter un petit peu que ça se fasse.
Tant qu'à faire, j'aimerais bien faire 100% du niveau maintenant au lieu d'y retourner quoi. Surtout que c'est le début. Donc il y a juste à remplir la barre verte en bas à gauche, c'est-à-dire avoir un maximum de verdure quoi. Et ça demande juste à préparer le terrain, après faut laisser la nature se faire tranquillement. Ah bah voilà, je crois que c'est fini. Chouf, bon. Allez. Et la barre verte s'est quand même remplie, en fait. Donc le tsunami, c'est pas trop grave. Par contre, oui, il m'a remis de l'eau là-dedans, là. Territoire presque recouvert de palmiers. Oui, ça je sais, tu me l'as dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, après, il y a des animaux. Mais les animaux ont une sale gueule. Donc je pense qu'ils sont dangereux, peut-être qu'ils peuvent tuer mes villageois. Ils ont pas l'air cool. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut rejoindre. Ouais. À moitié bête ce que je fais parce qu'il y avait de la nature, voilà. Faut mieux prendre la terre où il n'y a pas de nature, comme ça détruit pas les palmiers. Eh ouais, l'eau c'est puissant. Hein. Parce qu'elle coule de là, ça remplit et donc ça passe forcément, donc c'est mort là. Avec la cascade là, il faudrait couper plus haut, enfin il faut... Ouais, c'est pas bon. Il faut que je fasse mon terrain ailleurs. Allez, on se grouille parce qu'au bout d'un moment... Ah bah ça y est. 100%, c'est parfait, allez. Plus qu'à leur faire un chemin. Allez, allez, du sable, du sable. Si les courants sont pas trop forts, ça peut me permettre de fabriquer des chemins. Touche au but. Ben voilà, c'est comment ça. Là c'est bon, ils ont leur chemin. Allez, c'est par là les gars. Donc il n'y avait pas de trucs cachés là. Enfin de trucs cachés. Thank you.
kita haka segera melia daulu zamani. Atau gelombang raksasa jamenyafu semua. Sekidak sebagai sisa sisa zamani. Ni mateso tidak menele mkali. Tapi itu menderita seraga bahari. Ah voilà, là il y a de la lave là, ça part en vrille. Oh, là il y a le pouvoir pour me protéger de l'eau. On voit qu'il y a un tsunami qui se prépare là-haut là. Alors, au bout d'un moment, il va sûrement s'activer. Là, là, ça rigole plus, là. Il y a de la lave et tout, putain. Qu'est-ce qu'on a, là? Trois totems. Attends. Trois totems, la sortie est là, le pouvoir. On va faire un ancien pouvoir de souffle très puissant. Tsunami intense. Ah, c'est ça, empêche t'y était bien plus large. Ouais, faut utiliser la lave pour la combiner avec l'eau, quoi. Faut construire une muraille avec de la lave pour peupler le totem. C'est-à-dire, je la mets là, là. D'accord. Je pense que c'est ça. C'est ça. Je peux même boucher ça. Ça, je vais pouvoir récupérer le pouvoir contre le tsunami. Il y a de la lave qui coule et tout, de là-haut. C'est dangereux par ici. Voilà, je vais enlever l'eau direct. Hop, ça c'est cool là-bas. On enlève l'eau, ça me permettra de faire pousser. Oh, 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 oh. C'est pas en vrille là. Allez les gars. Putain, le tsunami. Attends, mais j'ai perdu là, dans 30 secondes, ils arriveront pas jusque là. Ah si, j'ai un villageois là, là quand même. C'est chaud. C'est très chaud. Je commence déjà à me mettre des trucs chronométrés, mais bien quoi. Pas le temps. Oh putain. Ok. Au secours. Ah oui, il est pas bien lui là, il va se noyer. La remarque, il peut peut-être nager, je sais pas s'il nage. Mais voilà. C'était ça qui parlait là, reconstruire le mur aussi. En fait c'était surtout ça je pense en priorité, pour me protéger. J'avais pas compris. Peut-être que je me protège d'abord avec ça, du tsunami. Bon en tout cas c'est passé quand même. Drôle d'ambiance dans le coin là.
prend ça. Figez l'eau. Allez, vite, les gars. Non, mais ça, c'est bon, je l'ai pris, ça. Après, il y aura celui-là. Ça se complique. Un pour figer l'eau et ensuite aspirer de l'eau figée, mais c'est des malades mentaux. Ok. Un pour figer l'eau et après, vas-y, fort. Pof. Et alors, c'est. Je me la joue Moïse là. De toute façon, là, c'est à rien. Le tsunami qui arrive, faut mieux voir après. Mais en effet, l'eau est figée. Oh, oh. Je sais pas trop si je mets l'eau où il faut. Ouais, j'aurais dû la mettre là-bas vu le sens du courant. Hop, et on va mettre de la lave. Pas si j'ai le temps, parce que figer l'eau reste encore 8 secondes. On a peut-être dû les faire ça plus tard. Essayer de faire un mur en galère là. Oh putain, y en a un que j'ai failli cramer là. Ça va, ça passe les gars? Non, ça passe pas. Un pour figer l'eau. Et non les gars, je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi. Mais faites demi-tour ou faites si je fais X là. Oh, ils se noient, ils sont en train de. Je vois qu'ils essayent de nager vers la côte, mais il y en a qui arriveront pas là. Ah, oh là 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 là, carnage. Ah, j'ai perdu des hommes là. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas ce qui se passe quand on perd des gens. Non mais n'y allez pas les gars, c'est pas parce que j'ai mis 3 modes de terre que ça y est, faut. Patientez les amis. Mais ils ont trouvé un chemin, mais est-ce qu'il va durer ce chemin? Hommes là, comment je peux les aider C'est un truc bizarre là, je fige l'eau. Pour leur permettre d'avoir un chemin quoi. Et vite 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 vite, on n'a pas le temps. Ouais. Allez les gars, revenez. Enfin, je sais pas où vous êtes, mais j'espère que je les ai pas. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce que je peux faire? Ils viennent ou pas? Je sais pas ce qu'ils vont faire là. Ils sont pas bien là.
J'aimerais bien... Ouais, de la lave, encore de la lave. Parce que j'aime pas trop... l'eau qui vient là, voilà. C'est ouvert, nous pouvons partir. Envoyer des hommes jusqu'au passage. Ouais. Ok, ok, bon. Après, il reste quand même la mission. Mais bon, c'est de plus en plus dur. Waouh, putain. La mission, remplir la barre verte. Pour ça, il faut qu'il y ait de la nature de partout. Ah, il est en bouche. Tac tac. Si le tsunami vient pas tout foutre en l'air, c'est pas si mal. Vous, je sais pas ce que vous foutez là, j'aimerais bien que vous veniez les gars. Aïe aïe aïe. Qu'à bouger, c'est bien. Ah, n'importe quoi, je l'ai mal mis mon sable, mais bon, c'est ça sert quand même. Ok, ils se sont débloqués, c'est bien. Ok, on est d'accord. Toc. Voilà, on bouge tout ça. La verdure qui se répand, c'est pas mal. L'orage approche. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Attaquer le chemin par là. Ah mais non, pas avec ça, putain. Sable, c'est bien pour mettre par-dessus la roche. Et créer la nature. Par contre, si je veux boucher la flotte,
mieux c'est de mettre de la lave dessus. Créer de la roche, c'est beaucoup plus solide. Ils sont en train de flamber. Merde, 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 vite. Dégage ça, il me faut de l'eau là, je pense. Oh putain. Ah, chaud. J'ai pas capté là, ils ont flambé. Ouais. Parce que la lave sur le verre, ça brûle. C'est ça le secret. Faire attention à... Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est étonnant. Par contre, ça va être assez dur de tout remplir en verre, là. Avec la lave à côté. Bon, ça pousse, hein. Par là, comment c'est. Ouais. On va mettre du sable là-dessus, là, sur tous ces trucs, là, ça aiderait. Ouais, c'est ça qu'il faudrait faire. Récupérer du sable ici, le mettre sur la roche là-bas. Ici, ça pourrait pousser, je pense. Allez les gars, je veux de la verdure là. Putain, et l'eau qui reprend dessus ici. Quelque part, j'aurais pu finir le niveau depuis longtemps, mais j'ai envie de remplir de ma barre verte. Ah là là, et oui, et ça flambe. C'est compliqué la vie. Hein. C'est vrai qu'on peut bloquer l'eau et j'ai le pouvoir de mettre l'eau en pause. Hop. Tsunami, volcan. Il y a tout là, c'est la galère. C'est que le début du jeu. Allez. Fais-moi plaisir. Ça s'arrête pas là. Est-ce que je peux pas, hop, créer un chemin là? Et non.
Je mets du sable par là, là, pour que ça pousse. La galère. Récupérer ce sable. Ah oui, mais du coup, ça fait un chemin pour la flotte. Merde, je fais n'importe quoi. Remarque, oui, je veux bien. Si la flotte peut passer par là, à la limite. C'est à peu près du village, mais bon, c'est à côté, quoi. Putain, bon. Qu'est-ce que je fais? Je patiente ou pas? Parce que là, je peux un peu gagner, là, si je veux. Allez, nature. Fais ton œuvre. Eh ouais, les gars, c'est la galère, tu m'étonnes. C'est putain de cascade, là, je peux pas la boucher. Hein. Elle est trop haute. Et elle me fait galérer. Faut créer un chemin, là, tac, tac. Allez, on va essayer, mais ça va cramer, hein. Ça va flamber. On voit qu'il est déjà créé le chemin. Je m'embête pour rien. Je laisse le... Non. Voilà. Ah oh, putain, incendie! Oh, c'est un peu la galère quand même. Désolé les gars, mais. Ça m'a creusé un truc là et tout, c'est le bordel. Aïe aïe aïe. Peut-être que je. J'arrête de rêver là, c'est allez, c'est bon, on va passer le niveau. Parce que ça devient compliqué. Là, ils peuvent y aller. On y va. Aidez-moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a du sable? Sable. Ça va les gars, on s'en sort, on s'en sort. Aux 4 niveaux. Kamitela merasa kazamani. C'était là à Kamitela megomubu. Kitamelia serpeti mereka lagi lenka. C'est bien sympa. Bon, ça commence déjà un peu à être agressif, à mettre la pression, mais bon, normal, hein. Faut du gameplay. En plus, c'est un petit jeu, donc je crois qu'il a. Je sais pas combien il y a de niveaux, mais. Il faut que ça avance, quoi. Puis, ouais. Ce que je disais, c'est un puzzle game aussi, chronométré finalement, donc.
C'est pas un jeu de chill, quoi, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. De toute façon, moi je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, mémoire tribale, c'est les trucs que j'ai débloqués. Ah, je pensais qu'on aurait des trucs culturels en cliquant dessus, mais non, il n'y a rien. Peut-être en faisant des lignes complètes ou je sais pas, enfin bon. Ouais, on peut sauvegarder plusieurs profils. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir. J'ai aussi son dernier à tester, la Paper Beast, qui est un jeu en VR. J'ai jamais essayé. Ah mais je crois que je peux plus y jouer, putain. Et oui, c'était un jeu VR uniquement compatible sur PS4. Je crois qu'il est pas compatible sur ma PS5, ça c'est terrible ça. Parce que j'ai le VR1 sur PS5. Donc ça me rend la plupart des jeux PS4 jouables. Enfin, jeu PSVR 1 jouable sur ma PS5, mais certains jeux sont quand même uniquement compatibles si on les faisait tourner sur une PS4, malheureusement. Je crois que Paper Beast en fait partie, mais je suis pas sûr. C'est à vérifier. Bon, bah sur ce, je vais déco. Merci d'être passé les gars, et bienvenue sur L, j'espère qu'on se reverra pour ce jeu ou autre chose. Donc d'ici là, la bise.